Alors que ça fait plusieurs minutes qu'on est en train de faire les recherches, l'hélicoptère nous indique la position d'une première personne sur les bords du fleuve. Avec le bateau, on va à sa rencontre. On arrive au contact de la victime, on la prend en charge, elle est relativement paniquée. Et elle nous indique à ce moment-là qu'elle a son ami qui a dérivé dans le courant, qui n'a pas pu s'arrêter, et elle a réussi à sortir en s'agrippant aux branches. On dépose cette personne au point de rassemblement des secours et nous repartons faire les recherches pour trouver la deuxième personne. Ensuite, nous sommes repartis avec le bateau à vitesse réduite. Et à ce moment-là, on a entendu quelqu'un appeler à l'aide. En s'approchant des berges, on a localisé la personne et j'ai dû sauter à l'eau pour la récupérer et la remonter sur le bateau. On a remonté la victime sur le bateau, elle était en total épuisement, très faible et en état d'hypothermie avancée. Du coup, on a dû la réchauffer en lui mettant une couverture de survie pour la ramener très rapidement aux équipes médicales.